Revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le mardi 1er octobre. Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons par Le Quotidien, Le Messager, à la une, sanction disciplinaire dans les taux d'un complot. Le président de la Fédération Camerounaise de football suspendu pour 6 mois par la commission de discipline de la FIFA de tous les matchs des différentes sélections du Cameroun. Page 12 du Quotidien, Le Messager, pour plus de détails sur cette sanction administrée au président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o. Il faut bien noter qu'il s'agissait bien pour Le Messager d'une interrogation. Le Popoli est sur notre table également ce matin. Un journal satirique, Samuel Eto'o, le coup de massue qui vient de la FIFA, nous dit ce journal, quand les géants s'accusent. Mutation à la une, 1er octobre 2024, Saint Ayabacho. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest retiennent leur souffle suite à l'interpellation du leader sécessionniste en ce jour généralement spécial pour la République imaginaire de l'Ambazonie. Page 9 du quotidien Mutation pour plus de précisions. Le quotidien Émergence, pour sa part, nous parle de salaire des médecins, les coupes qui fâchent. Eh bien, page 3 pour s'en apercevoir. Football, sport, roi au Cameroun, bien évidemment. La FIFA sanctionne Samuel Eto'o. Page 3 du quotidien Émergence. Comex extérieur, toujours avec ce journal, qui nous indique que les exportations en baisse au premier trimestre 2024, page 6 pour s'en apercevoir. Econews, pour sa part, nous parle d'investissement. Le PAD et Harris s'associent pour un projet colossal sur la Dibamba. Eh bien, Econews nous en explique toutes les méandres. Le quotidien L'Économie, pour sa part, nous convie aux logements sociaux. La gagne, les gagnes petits mis de côté, l'accès conditionné pour la location par un revenu mensuel de 350 000 francs CFA et 500 000 francs CFA pour l'acquisition. Ces modalités sont contenues dans deux projets d'arrêté signés par Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, et Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Tout ceci est à consulter à la page 3 du journal L'Économie. Asekna, Prosper Zor Minto, nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, page 7 pour plus de précisions. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite, édition de ce mardi 1er octobre 2024 par le quotidien Eco-Santé qui nous amène à Douala, capitale économique du Cameroun. La ville accueille le navire hôpital chinois Peace Arca, nous dit ce journal. Lutte contre la drépanocytose, plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année sur le continent africain. C'est ce que nous dit le quotidien Eco-Santé, édition de ce jour. Terre promise, zoom en grain une avec des images parlantes. 5 ans après le grand dialogue national, la paix aurait pu être totale. Les lockdowns et quelques attentats enregistrés ces dernières semaines masquent mal le désir des populations dans leur immense majorité de retrouver une vie normal et de vaquer tranquillement à leurs occupations, à lire le dossier de la rédaction du journal Terre Promise Hebdo, de la page 3 à la page 9 de cette édition. Toujours avec ce journal, Ebolova, menacée de perdre sa maison, une veuve dénonce un déni de justice en page 10 de cette édition. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est Horizon Info. Mintep, l'architecte des routes au Cameroun, Emmanuel Ngandjoumessi, ministre des Travaux public, est l'homme derrière la transformation des infrastructures routières du Cameroun. Sous sa direction, le pays connaît une révolution routière sans précédent avec la construction de 869,85 km de nouvelles routes bitumées d'ici fin 2024, nous dit Horizon Info en page 3 de cette édition. Commission nationale anticorruption, toujours avec Horizon Info, 72 milliards de francs CFA détournés en 2023, la corruption dévastatrice.
Détournement de fonds publics, une hausse alarmante au Cameroun, page 4 du journal Horizon Info. Réalité Plus, pour sa part, Ebolova, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kecha-Cortez, lance 7 jours d'activité pour célébrer l'habitat, page 9 pour plus de précisions. Yagua, la Cambodge a pied d'œuvre pour réparer d'urgence les dégâts causés par les inondations. Blaise Moussa, bien évidemment, est à pied d'œuvre, nous dit le quotidien Réalité Plus. Ecofinance, à la une, Vincent Côté nous dit, je cite, l'année n'a pas bien commencé pour les industries, fin de citation. Eh bien, page 6 et 7, pour voir les mesures prises pour changer la donne. C'est à la une de Ecofinance. Caporal, pour sa part, à la une, visite annoncée de Nicolas Sarkozy au Cameroun. Le cabinet intermède s'oppose à la délivrance du visa à l'ex-président français. Comment cela se fait? Direction page 4, 5 et 6 du journal Caporal Info. Pour plus de détails sur cette initiative du cabinet intermède qui, selon le journal, s'oppose à la délivrance du visa à l'ex-président français Nicolas Sarkozy pour une visite au Cameroun. Breaking news, Fédération camerounaise de volleyball, chapeau à Bello Bourdan. Pourquoi? Page 3 pour s'en apercevoir. Football, Samuel Eto'o frappé d'une sanction. Comment cela se fait? Direction page 7 du journal Breaking News pour plus de détails sur cette sanction véritablement inattendue. Et puis, Défense Afrique Hebdo pour sortir de cette édition de la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Le sous-préfet Nakiri Joël fait respecter la loi, les us et coutumes dans la désignation d'un nouveau chef. C'est à Ouagadougou, bien évidemment. Ceci est à lire dans les colonnes de Défense d'Afrique. Les microbes business juteux d'un système judiciaire corrompu, en page 3 pour plus de détails sur cette préoccupation, cette problématique traitée par Défense d'Afrique. Et bien, comment les microbes peuvent constituer un business juteux pour un système corrompu? Les méandres, les détails, c'est avec Défense d'Afrique dans sa 129e parution. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Première édition du mois d'octobre. Nous sommes le mardi 1er, bien évidemment, sur ITFM Radio émettant depuis Garoua. Mise en onde, Emmanuel Danra. Réalisation, Yvan Sem Tadufo, assisté de Justine Nekwanunji. Ghislain Kungan au microphone. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent mois d'octobre à toutes et à tous. Que Dieu vous garde. C'était la revue de presse.